Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous parle du chien de l'Artois. Alors le chien de l'Artois, c'est un chien qui est, et franchement je suis content de le présenter, un chien qui nous représente, qui est de la France, de notre beau drapeau tricolore. Et ce qu'on peut dire de ce chien, c'est que c'est son historique, son histoire remonte à assez longtemps, où on peut aller même jusqu'à la guerre de 100 ans, au 15e siècle, où le roi Henri IV d'Angleterre fait son retour à Paris accompagné d'un chien d'Artois en 1431. D'ailleurs, ce chien, eh ben Henri IV et Louis XIII en font la gloire. C'est-à-dire qu'à leur époque, c'était un signe de noblesse et vraiment un prestige pour eux d'avoir ce chien. Alors que pour maintenant, les gens comme nous, ce serait juste un chien banal. Quand Jean-Emmanuel Le Couteleux de Canteuil en fait encore l'éloge, apparemment dans anciens écrits qu'on a pu retrouver lors de fouilles archéologiques. Malheureusement, au XXe siècle, ce chien a bien failli disparaître. À cause de quoi? Ben, en 1970, le chien était catégorisé en voie d'extinction. Et on va dire que la Seconde Guerre mondiale n'a pas arrangé les choses. Puisque, avec la Seconde Guerre mondiale, il y a eu des meurtres, il y a eu beaucoup de pertes humaines, mais aussi beaucoup d'animaux, que ce soit les chevaux, les chiens, etc. Et heureusement, dans peu de temps après, dans la Somme, monsieur, madame Guinache et monsieur Audrechy, c'était l'élevage de gamaches dans la Somme, ont permis, en faisant des reproductions et grâce à cet élevage, de sauver cette race de l'extinction. Bon, je ne sais pas s'ils sont actuellement vivants ou s'il y a des descendants, mais à travers cette vidéo, je pense qu'on peut vraiment les remercier parce que sinon, il y aurait encore une autre espèce de chien qui aurait disparu et ça, ce serait catastrophique. Maintenant, j'en ai fini avec l'histoire de ce chien. Maintenant, je vais vous parler de sa vie. Alors, ce chien est plutôt robuste, donc il ne nécessite pas vraiment de faire beaucoup attention, mais je le répète, hein, c'est tout le temps comme d'habitude. C'est pas non plus un cobaye, donc ne commencez pas à faire « Oh, je vais lui donner ceci, je vais lui donner cela, bon, on verra bien si ça fonctionne. » Non, pas du tout. Et c'est un chien, surtout, malgré qu'il est robuste, en vieillissant, il faut y faire très attention, car il vit entre 12 et 14 ans. Son poids, je vous l'ai indiqué lors de la vidéo, et j'espère d'ailleurs que cette vidéo sur lui vous aura plu. Et bien sûr, nettoyez assez souvent ses oreilles, parce que c'est des oreilles tombantes. Donc, il y a des petits épis et tout ça, si vous le promenez en grande nature, parce que c'est un chien qui aime les grands espaces, puisque c'est un chien qui chasse. C'est un chien catégorisé de chasse. Il est dans la catégorie de chasse. Voilà. C'est un chien qui chasse en meute, donc si vous en avez plusieurs, eh ben il est encore plus heureux puisqu'il a tous ses copains avec lui. Donc voilà, mais surtout faites très attention à votre petit loulou. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, je vous invite à liker, partager et vous abonner. Je compte sur vous, c'était Apprenti Dog.